Allez, salut YouTube et salut Twitch, on se retrouve aujourd'hui pour notre live bi-hebdo en ce moment sur Néon Abyss. On va tenter à nouveau d'atteindre surtout déjà le troisième gardien, toujours en difficile. La dernière fois on avait une run qui était pas trop mal, mais le jeu a bugué, donc on va tenter notre chance, et si jamais ça rebug, bah ça sera autre chose. Du coup, est-ce qu'on avait des améliorations à acheter? On a 7 à dépenser. Pas dit qu'on puisse avoir quelque chose. On a le casque puissant. Si vous êtes blessé dans cette salle, un anneau électrique vous entoure et inflige des dégâts aux ennemis proches. Manekineko. Miaou. Vous obtenez un bonus supplémentaire quand vous ramassez des pièces. C'est-à-dire, c'est pas trop. Un bonus de pièces ou un bonus de autre chose? La salle de danse. Eh ben allons-y pour le chat. Du coup on aura un essai gratuit. Il y avait autre chose je crois aussi, un essai gratuit. Ok. Du coup on va changer de perso, on va y aller avec Saya. C'est parti. Alors, seigneur mercenaire, plus vous avez de pièces, plus votre arme inflige de dégâts. Ok. Très bien, très bien. J'ai un petit chat accroché à mon arme. Oui, de la sagesse. Côté obscur. S'il vous reste plus qu'un demi-cœur, vous infligez immédiatement des dégâts à tous les ennemis. Ok. Côté obscur de la force. Je n'ai pas de bombe pour la secrète. Ouais, ça commence bien. Oh. Je peux pas tout éviter là. Oh, je vais à la même vitesse que la balle apparemment. Pas mourir. Ah oui, là j'ai ramassé une pièce de 1 et j'ai eu 2. Est-ce que je peux monter Oh, ah ouais, j'aurais pas dû le prendre tout de suite, mais. Parfait. Le katana qui carry. Ah bah oui, on s'est en plein dedans. J'ai essayé de sauter, mais. J'ai trop rush dessus, j'ai pas eu le temps. Et un nuf. Du crystal. Ok. Il y a moyen de le choper ça. Ok, on va aller en bas. Et où? Il est pénible. Je vise mal. Oh, j'ai réussi à lui mettre un coup au cac. Ok. Un nuf. On va continuer là-bas. Oula. Allons les petits vers qui s'en vont. Est-ce que ça a laissé une pièce? Non, c'est bon. On a tout. Ok.
On va continuer là-bas. Je n'ai toujours pas de bombe, même si on a une qui serait remboursée derrière, mais il m'en faut au moins deux déjà. Et on a le boss en bas. On va retourner là. Il hésite. Ok. Un demi-cœur rouge. On va chercher ça d'abord. Des pièces. Crystals. On va les garder. Il y en a trop. Oh. Mais bon. Tout va bien. Pour l'instant. Aider. Et rien. Ah, faut que je fasse tomber l'explosif là. Pour le rocher marqué et le coffre. Et des œufs. Je voulais pas le ramasser, tant pis. Je peux y aller là-haut. J'avais pas besoin. Ah, la salle d'intersection qui nous a fait bugger la dernière fois. Est-ce qu'on y retourne? Ah, et la salle de musique aussi. On va faire la salle d'intersection tout de suite, comme ça si ça bug, ça bugera maintenant. À étage 1. On va voir, hein. Bon bah en haut. Ah bah encore cette machine. 10 pièces. Je sais pas ce que ça vaut, hein. Faut que je fasse 5 fois le jaune. Mais ça va être cher. On va aller à la salle de musique, on reviendra là, ça bugera. On viendra là, s'il nous reste des sous. Moi je sais qu'avec la salle de musique, je vais gagner des choses. Bon, on va commencer à y aller. Hein. Et coucou Satoshi, comment ça va? Piu piu piu. Oh oui. Incroyable. Remettre le fusil au cas où. Allez, c'est parti pour de musique. Ouh, c'était juste là. Ouh, c'est long. Good. Ah, une arme. Tonnerre. Ah, c'est laquelle, celle-là? Ah, c'est les trucs autour de soi. Passif, cette arme inflige des dégâts aux ennemis en mêlée. Oui, bah ça c'est normal. Ok, bon, bah tant pis, on va prendre ça. En attendant de trouver mieux. Je peux rejouer. Moi j'ai limite envie de reprendre mon arme. Hein.
Ouh. Faut être un peu loin. Une sucette. Sucette Saturne. Plus vous avez d'œufs, plus vous tirez vite. En effet. On reviendra si on a du pognon. Il nous manque 7. On n'a pas exploré le côté droit. On n'a toujours pas de grenade pour la salle secrète. Oula non. Attention avec ça. Hein. deux cristaux, ouais. J'en récupère un. Et un uf. Et ben un boss. Hein. On fera pas plus de musique. Tant pis. Ça, je peux pas ouvrir non plus. C'est Nick. Bah, Nick. Ouais, je m'approche un peu plus. Ah, et bienvenue. Je me fais toucher par tout ce qui existe. Hein. Oh là, c'est pas mal là. C'était pas mal. Je le frôle mieux. Mais sans me toucher. Et merci Necronome pour le raid. Bienvenue à toi et à tes deux viewers. Salut ML Mazen. Comment ça va? Le masque étrange. Attirer tes mots, je fais un malheur. Ajoute des balles supplémentaires par tir et ajoute un bouclier. Ok. Bon, on a rien d'autre à faire à cet étage. On va continuer. Au niveau 2. Et on va aller à droite. On va charger des munes. Merci pour le follow. Bienvenue sur la chaîne. Il faudrait juste qu'ils enlèvent leurs armures. Quand il y en a plein, ça commence à défoncer. Allez, sort. Allez, sorti. Ok. Ah non. Non, c'est bon, ça n'a pas touché. En fait, faudrait que je le continue de le charger et puis que je le change de salle en vrai. Ce serait moins risqué. J'ai des cristaux. Ouais. Ah oui, il n'y a pas d'ennemis. Attendez, un son étrange au loin. La salle de sagesse. Oh oui, j'en aurais bien besoin de ça. Capuche de miséricorde et... vision intérieure. Je sais plus ce qu'il fait celui-là. Je sais même pas si je l'ai déjà eu d'ailleurs. Mais j'ai besoin de vie. Double quantité des corps récupérés. Oui. D'ailleurs cool, ce jeu c'est quoi le but? Le but c'est de défoncer les boss, les gardiens... de cet endroit en avançant d'étage en étage, la façon un peu d'un Isaac. Là pour l'instant j'ai tué les deux premiers gardiens et j'en suis au troisième qui se trouve au niveau 8 je crois. Je sais combien il y a de niveaux actuellement, je crois qu'il y en a 8. Le premier il est au 5, le deuxième il est au 7. Ah, elles partent quand même, mais bon, tant qu'elles arrivent pas ça va. Le problème c'est que j'ai pas de grenade pour ouvrir là. C'est un peu comme Flint Hook, ouais. Il faudrait que j'y joue à celui-là un jour. Ah, par contre, ouais, j'ai pété tous les explosifs à la ronde. Le tout, c'est que je me les fasse pas péter dessus. Oh. Ah bah non. Mince, du coup, je passe, là. Petit coffre de violence. Oh, j'ai pas trop de temps de vie que ça. On va le laisser comme ça, je pense. Ah non, faut pas casser. Fallait que j'accède en haut. Ah non, mais je peux y aller. J'ai le katana. Is ok. Super Flint Hook, je le trouve très nerveux en gameplay. En vrai, moi, j'ai joué qu'une fois pendant une longue session, puis j'ai jamais retouché. Est-ce que je me sacrifie un peu de vie? Enfin non, là, c'est même pas un réceptacle que je sacrifie. C'est... Enfin, à terme, si, ça sera un réceptacle, mais... Est-ce que je perds un peu de vie pour ouvrir le coffre, sachant que j'en ai si peu? Le réceptacle, finalement, je suis qu'à 2 sur 4. Est-ce que j'ai besoin de mon quatrième réceptacle si je joue mal? C'est pas sûr. Ah oui, il y a le petit.
Il y a le petit Family qui réussit à lui seul avec ses tout petits tirs à faible cadence qui réussit à éloigner le la fée. Tir au jeu marqué, mais pas d'ennemis là. Il met pas de bombe. Ouais, on va le tenter, allez. J'ai de la sa- oui, j'ai du cristal là. Oh bah parfait. First try. Oh, une clé infinie. Je prends. Clé infinie qui me permet d'ouvrir les portes sans dépenser de clé sur cet étage. Enfin, sur ce niveau. Qu'est-ce que c'est que ça déjà? L'assistant virtuel. Cortana. Quand vous perdez un bouclier, vous avez une chance d'obtenir un lutin protecteur. Ok. Elle a changé Cortana. Là, il n'y a rien. Et là, il y a le... Il y a une salle. Une salle tout à fait quelconque. J'ai pas de grenade à nouveau. J'en ai jamais eu une seule sur cette partie. On va aller à gauche du coup. Est-ce qu'on fait tout péter? On va faire tout péter mais méthodiquement. Ah c'est compliqué. Hein. Ok. Allez venez, viendez. En fait, cette arme est bien pratique contre eux. Faut que j'attende mieux. Là. Ok, je lâche rien. Faut que je fasse péter celui-là sans péter les caisses au-dessus. Voilà. Et là, normalement, he's ok. Ah oui, du coup, les demi-cœurs me donnent un cœur complet avec le doublage. Le jeu est bien marrant quand il ne bug pas. Écraser les verres. Ah bah non, fallait pas que je tire. Enfin, quoi que. Ah non, le rocher. Non, le rocher, ça va. Le pire, c'est la perle. Ah non, je vais péter la porte, mon goulou. Pourquoi j'ai lâché? Je vais laisser ce bouclier là. Bon, le magasin, est-ce que j'ai vraiment envie d'y aller? Non. Par contre, je me suis mis de la violence gratos. Bah là, il y a une grenade, mais je peux pas y accéder. Nick. Ah ouais, les grenades. Ouais, là, il fallait que j'essaye de manipuler les grenades pour les emmener là où ça m'attend. Alors, je vais décharger mes tirs à côté, voilà. Comme ça, je pète pas le coffre. En fait, je sais pas si mes tirs passaient par-dessus. Je sais même pas si ma grenade elle passe là. Parfait. Les cristaux j'ai. Des coffres dans les coffres. Ok, j'ai enlevé ma violence. On passe en sagesse. On va continuer par là. Moult explosif. Vise mieux. Ah si, ils continuent de tourner quand ils sont lâchés en fait. Oh bah tiens. Des grenades. J'ai besoin de grenades je crois à ce niveau. Hein. L'étage d'avant oui mais celui-là aussi je crois. Par exemple ici. Et j'ai la clé infinie donc je pourrais ouvrir le coffre. Alors l'idéal ce serait d'avoir accès aux deux. Parfait. Une boîte vide. Si vous n'avez pas de clé, vous pourrez utiliser un œuf à la place. Ok. Pour l'instant, j'ai des clés infinies. Ah oui, ça. Ça, c'était dans le coffre. Bon, bah vas-y. Hein. Oh. Et des œufs. On commence à en avoir un petit tas. Magasin, non. Là, il y avait des coffres. Je dois pouvoir ouvrir avec des cristaux. Et des clés. Et du bouclier. Bon bah je vais le prendre. On arrive à la fin de l'étage. Et j'ai plus de grenades.
techniquement, je peux plus rien ouvrir d'autre. On va récupérer le demi-bouclier qui est là. Et on va pouvoir faire le boss. Et c'est Kimi. Oui, j'ai beaucoup d'eux, donc grosse cadence de tir. Est-ce que mes tirs... Ah non, je croyais que mes tirs... Non, ça devait être mes familiers. Ou ma boule de billard. Parce que j'ai même pas besoin de viser avec cette arme. Je tire à droite depuis tout à l'heure. Ah, c'est raté. Esquive raté. Ouf. T'as touché une deuxième fois, là, non? Ouf. Ah ben, un bouclier. Si j'avais un marteau... Améliore votre arme, augmente vos dégâts d'armes. Ah oui, elles sont un peu plus grosses. Ok. Bah, ça va être tout pour cet étage. Rien d'autre à ouvrir. Et bah allez. Donc niveau 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, voilà, le troisième gardien est au niveau 8. J'ai deux clés. Dans la salle d'objets. Qu'est-ce que c'est que ça déjà? L'adepte de la mort. J'ai suffisamment d'ennemis, vous laisserez tomber des cœurs supplémentaires. Oui. Je commence à avoir deux boucliers en plus. Ah, c'est ça les trucs électriques. C'est pas censé être des lutins ça? Peut-être. Allons à droite. Ah, j'ai un truc à cristaux qu'il va falloir défoncer. Ah, vite! Mais bon, je l'ai. Ah par contre, il tape au cac. Mais comme moi aussi, faut que je fasse gaffe. J'ai lâché le stick. Allez! Allez, meurs! Ouf! Ok. Ah, dans deux. Les petits pets qui évoluent. Il y avait une autre pièce. Non, c'est bon, il y a tout. On a tout pris. Le TP. Oh, oh. Oh là, non, c'est bon. Il n'y a pas que je bouge. Allez, meurt le lance. Sors de ta coquille. Échec. Des picous. Le boss est une salle de défi. J'ai pas assez de cristaux. Ah, j'avais pas touché. Ah, et là il faut des bombes que je n'ai pas. On est là. Et on va explorer ce côté-là. Je sais pas qu'il le laisserait au-dessus. Ouf. Ah, ils m'ont touché. Ça. Qu'est-ce qu'ils sautent trop, eux? Ils s'y mettent. Bah, le vert, il... Il marchait, mais sous... enfin il rampait, mais sous le sol. Le bébé fantôme. Attends, je commence à perdre mes boucliers petit à petit. Pas terrible. Ah, c'est ceux qui tirent vers nous. Ah bah voilà, j'en suis pris une. Pas de quoi ouvrir, mais je peux passer normalement. Avec le katana. Un crystal.
Il en fallait encore un autre pour la porte à gauche, en haut. Ok. Voilà, il n'y a pas de mob normalement. Le magasin. J'ai pas trop de thunes. On va tenter de passer avec le... avec le katana, mais je risque de perdre la vie et ça vaut peut-être pas forcément bien le coup. J'ai pas de bombe pour le coffre en pierre. On passera peut-être. Si jamais. Ouf. La sœur zombie. Avec ce bouclier qui n'est pas retouché. Ça peut être la sur zombie. Hein. Allez. Ah pourtant, dans le petit texte, il y a le OE, je crois. Ah oui, vous avez deux. Bon, après, c'est peut-être une police qui existait déjà. Bah, je pourrais prendre ici. Bah, j'ai fait le tour du coup. Ah, j'ai même pas un cristal. Décevant. Là-bas, je crois qu'on n'est pas allé voir par contre. Un peu le son pour moi. Hop. Voir si mon casque est pas fort. Bon. Allez, on se rend dans la selle. Ah, une grenade. Je veux. Je vais garder peut-être ma clé pour le... pour la prochaine salle d'objets. Et la grenade, je vais la claquer. Bah là où il y avait le cristal, comme ça j'aurai accès au... à la salle de défi. C'était là. Ah, si j'arrive à avoir le coffre de pierre en même temps, ça serait bien, mais ça risque d'être délicat. Dommage. Ah bah, remboursé. Ah, par contre, faut pas se louper. C'est bon. Oh, un objet en plus. Qu'est-ce que le gladiateur ? Augmente vos dégâts de mêlée quand vous êtes blessé sur la salle. Ouais, bon. Dégâts de mêlée, c'est pas fou. Du coup, j'ai mes trois cristaux, je peux les tenter ça là-bas. Je peux ouvrir et tenter. Mais le problème c'était pas de tenter, c'était surtout de pouvoir y aller. Oh, je suis bientôt full sagesse. Si je me fais pas toucher, Attends, c'est eux qui tirent. Ah oui, y'en a un qui tire, j'ai pas vu. Et y'a mes sorts zombies en plus qui tirent. Putain, c'est perturbant, du coup je vois les tirs partout. À celui qui tire d'en haut. Bon, vu que les sorts seront touchés, les tirs arrivent pas jusqu'à moi, mais bon. Ah. Allez, on y croit. Et je l'ai eu. Le pass de combat. Vous avez de pièces que vous tirez de balles. 53 balles, je suis pas mal. Ah, quel bordel. Toujours. C'est ça qu'on aime. Du coup, j'ai accès à la salle de sagesse. Donc on va y aller. Chercher notre objet. Un gland. Ou comment on appelle ça? Un géomag, la divinité. Le gland. Ah, le gland, c'est tentant. Hein. Divinité. Votre esprit s'élève et vos pieds décollent du sol. Le vol. Et autre chose aussi, je crois. Augmente votre vitesse de déplacement, d'accord. Oh bah je peux aller partout maintenant. Voilà. Ah là c'est devenu Isaac là, clairement là. J'ai le... l'orbital... les larmes orbitales et... je me déplace en vue du dessus. Enfin, comme en vue du dessus. Où est-ce qu'on va? Et du coup, est-ce que ça me donne accès à des choses ici ou pas du tout? Il n'y avait rien qui nous était bloqué parce qu'on savait pas voler. Là, c'était quoi? Là, c'était un coffre... Ah oui, c'était avec une clé qu'il fallait ouvrir. Et là-bas, il fallait deux bombes. Donc, on va aller au boss. Du coup. Alors là, les pics, du coup, ils me font plus chier, là. Et Colt, le dieu des flingues. Attention, ça rebondit. Oh, je lui mets tellement cher.
Aïe. Par contre, faut que je reste dessous. Ben voilà. C'était gratuit. Le petit ourson. Et de la bière. Ajoute un aspect de cœur et ajoute un aspect de cristal. Ok. Oh, petit bouclier. Je saute alors que je vole. Ça ne marche pas très bien. Je vais récupérer le demi-cœur que j'ai perdu. Il en restait un. Ah, sauf que c'est fermé. Bon bah tant pis. Tant pis, j'ai pas de grenade. Une grenade pour un demi-cœur, bof quand même. Allez, bah niveau suivant. Niveau 4. Le magasin. Ah, il manque un peu de pognon pour le magasin. Mais bientôt. Ah, des ufs. Ah non mais... Pourquoi je suis passé au katana? Oh le gripsou, le cabotin qui vole l'argent. Mais qui lâche beaucoup de thunes au décès. Pour une émote, ça le cocor uf. Je vais faire péter la... Ah non, ça passe. Mais peut-être que quand je vais passer tout, ça va péter. Ah non. Ah, il y a les cacs des enfers. Ah bah, c'est bon. Donc je suis un très bon cac, moi aussi. Non, l'argent, c'est moi. Bon, la clé, ils s'en foutent. Voilà, du coup, là, c'est gratuit. J'ai deux clés. Eh ben, on va en prendre une pour ça. Et il a pris l'argent. J'ai pris un peu d'argent. Et j'ai récupéré un demi-cœur. Ce qui est sympathique. Ah, les grenades. Oh, la gratuité. Oui, est-ce qu'une fois tiré, ça traverse les murs? Ouais, aussi. Le petit panda. Ah, j'ai pas de cristaux. Tristesse. Oh, ouais. Ah, je vais prendre ça déjà. Et ça attendra parce que je risque de taper le... En tapant les cages, je risque de taper le réceptacle. Le boss est là, on va aller là-bas d'abord. Ouh les gros. Ah, ça m'a touché. Ah oui, pète le rocher marqué. Non, il est trop loin. Voilà. Je prends la greu. Puis là, je vais les faire. Ah, mais là aussi! Ah, mais il me touche à une de ces distances. Voilà, on va les faire comme ça. Hein. Shuriken enfer. Mais quel enfer. Oh, bah tiens, une grenade. Il est vrai. Des grenades qui lootent des grenades. Oh, des grosses grenades aussi. Le Monopoly qui perd pas de temps et prend l'argent. Le monstre marin. Une fly attack. C'est ça. Du. Petite salle de défi. Pour une clé. Vas-y. Je charge. En vrai, si je tire ailleurs, ça les répartit un peu mieux, comme la cadence de tir correspond un peu à la vitesse de rotation, finalement. Ça permet de mieux faire le tour avec ces barres. Oula. Ah, y'en a un qui m'a pop dessus. Je déteste. Avec un cabotin qui drop tout l'argent. Qu'est-ce que c'est? Corne du diable. On augmente les dégâts d'armes et les dégâts de mêlée. Ah oui, j'ai les grosses notes. Ok. Toujours pas de cristaux. Oula, le gloutonnier. Oh, je l'avais pas vu lui.
Le petit fumier. Petit fumier qui se cachait. Enfin, qui se TP surtout. Ah bah là, c'est gratuit du coup. Ah, attendez, ça l'objet. Qu'est-ce que c'est? C'est un bandana de ninja. Un bandeau de ninja. Plus vous sautez, plus vous infligez de dégâts de mêlée. Ah bah oui, je saute beaucoup là. Super. Merci Naruto. Que ça passe. Attends, faut pas que je descende trop. Voilà. Ça peut valoir le coup de claquer une greule, hein, mais je risque de me la prendre un peu sur la tronche. Mais ça peut valoir le coup si c'est un objet. Oh, ah bah une grenade. Bon, moi je suis remboursé. Et j'ai eu mon cristal. Et le cristal, c'était pour récupérer de la sagesse. Ici. Ou pas. Ou là-bas. Trop descendre non plus. Oh, ah bah oui, un bouclier, j'ouvre. Bon, je peux le prendre maintenant, hein. La vie que j'ai perdu. Et des cristaux. Ok. On va aller là-bas. On se prépare. Voilà. C'est rapide. Et pas grand chose. Ok. Bah là on a tout fait. Et on va le récupérer ce bouclier, ça sera fait. J'arrive à aller dessus. Le magasin. On va voir peut-être s'il n'y a pas une salle de musique avant, mais j'ai assez pour acheter un objet. Bon, il n'y a pas de salle de musique. C'était vite fait. Du coup, j'ai tout fouillé. J'ai tout fouillé. On a tout clean. Et bah allez. J'avais juste assez de cristaux en plus. Ah bah tiens, le gland que j'ai pas pris tout à l'heure. Eh bien, je prends le gland. Interdit de voler dans les magasins. Hein. Ah, du coup, je peux sauter. Ah, j'aurais bien pris une autre arme en vrai. Hein. Non, gland. Vos œufs peuvent bloquer les balles des ennemis. Très bien. Ça me va. J'ai plus de sous. Ah, mais j'ai dit, mais je peux plus sauter. Oui, oui, je vole. Quand je vole, je ne peux plus sauter. Pas si contraignant, mais bon. TikTok. Oula. Allez, par contre, lui, il va falloir que je le colle, ça va être compliqué. Est-ce que j'attends qu'il arrête de faire des attaques? C'est possible, a priori. Hein. Mais bon, est-ce qu'il arrête C'est vraiment des moments où il arrête. Même quand je m'éloigne, je me fais toucher quand même, donc autant bourrer. Hein. Voilà. J'ai pris si cher. Le super logo. Vous êtes au sommet de votre arme, améliore votre arme, augmente légèrement la hauteur de saut et autre chose. Alors que je vole encore. Et votre vitesse de déplacement. Bon, c'est pas ça. Ok. Eh ben. Continuons. Je vais mourir. Niveau 5, donc à partir du niveau 5, dégâts mini, c'est un cœur complet, c'est plus un demi-cœur, donc là, je me fais toucher deux fois, c'est perdu. Je vis bien. Du coup, on va aller voir s'il n'y a pas des salles avec des objets avant de chercher les salles avec les mobs. En haut ou en bas, hein? Ah, je suis perdu. Bon bah, on est allé en haut tout à l'heure, on va aller en bas. Oh bah, c'était le bon pif. Mais j'ai pas de cristaux. Mais ça peut s'arranger. Ah, la grenade, c'est tentant, mais j'ai pas envie de péter le coffre.
Bon, on y repassera, en espérant qu'elle ne rebug pas la salle. Ah ouais, mais je suis un peu en PLS, donc j'ai un peu besoin de choses, en fait. Donc on va le péter tout de suite. Là, ça devrait pas être mal, là. Ouf. Incroyable. Deux cristaux, j'en ai qu'un. Bon, pas de vie, malheureusement. Dans le magasin, j'aurais pas assez. Pour acheter du soin. C'est vrai que si je le sens pas au cac, je peux toujours lâcher mes balles et... Putain. Allez. Les ennemis qui tournent, les pires. Je peux laisser mes balles et le voir un peu plus loin et je prends un peu moins de risques. Ça peut se faire comme ça. De toute façon... Oh, je me suis jeté dans le laser comme un mongolo. Bon, vous voyez, hein. Il me faut de la vie, là. Le laser, il passe pas par le mur. Toi, meurs. Ah, éteins-toi, laser. Oh, de la vie. Bon, ça va, les demi-cœurs que je récupère, c'est un cœur complet. Ça m'arrange. Mais bon, là, je me serais mis bien si je l'avais eu le cœur sans perte de vie. Oh, oh, je vais bien. Calmez-vous. Le démon en feu. Laisse-moi un peu d'argent parce qu'au pire je pourrais m'acheter du soin sinon. Je pourrais ouvrir le coffre mais je vais garder pour la salle d'objets si jamais. Oh bah oui, ah bah oui, dirige-toi sur le tir. Meilleur plan. Je vois des balles qui volent, je sais même pas si c'est les nôtres ou les leurs. Bon bah... Oh! Ouais mais non, même... Ah mais j'ai tellement de... grenades. On va faire péter les rochers marqués, hein. Oui! Je prends le cœur. Ah ça va mieux là, tout de suite. En vrai je pourrais péter même les cailloux nuls, hein, finalement. Point où j'en suis. Ah, j'ai assez de cristaux pour le coffre, on va aller au TP. Et on y retournera. Ah non, l'argent. À moi. Alors, la grenade, c'est tentant, mais au pire, je ferai une grenade et... Attends, c'est trop loin, ça, on est d'accord. J'ai bien envie de claquer une clé et une grenade, histoire de pas me prendre l'explosion de ma grenade. Oh, du bouclier. Oh, la grosse pièce. Il m'a volé la grosse pièce. Je déteste. Salut, défi. Trouver la salle d'objets avant et puis on pourra la tenter. Et faut que je récupère le coffre à cristaux. Ah, la grosse pièce, en plus j'avais l'argent bonus, ça m'aurait fait 100 là, je suis sûr. Je pouvais acheter l'item. Ah, mais putain, mais je l'ai laissé prendre l'argent encore. C'est dommage que ça me double pas les boucliers aussi. Hein. Est-ce que c'est une bonne idée de tenter la salle du défi vraiment? Non, d'abord on avait dit l'item room. Si jamais ça peut m'aider. Attention, laser. Petit cristal. Oh, je suis bientôt full sagesse en plus. Il y a des TP, on est d'accord? Oui, il y a des TP. Oh, il est mort, le Monopoly. On a tué Cabotin. Oh, non. Tuez-le. Oh, tout cet argent. 223. On est pas mal. Voilà le magasin. On va aller faire quelques courses. Faites pas des dégâts à la porte. Oh, il y a un cœur rouge, ça me fera deux cœurs rouges. Ouais, c'est la casquette de Marion, c'est pas trop. Elle est bleue. Chapeau ailé. C'est la casquette de Mario ailé, mais bleue. Les petites ailes sont mignonnes, vous permettent de faire un saut supplémentaire. Bah super, on est content. J'aurais dû m'en douter avec les ailes, peut-être. Ou au moins que ça me donnerait le vol et que finalement je l'ai déjà, finalement. C'est pas fou. Bon, on est bien, là. Est-ce que j'achèterais pas une arme? En vrai, elle est pas mal, l'arme. L'arme que j'ai.
Elle est juste un peu casse-gueule, ça me met au cac, mais sinon elle défonce. Le demi-bouclier, ouais, ça me fera une sécurité en plus. On va attendre, on va attendre. Vu que les corps, j'en perds autant que des boucliers, mais que j'en récupère le double. Si on peut soigner avec des corps, ça sera plus bénéfique. Oh, c'est l'arme. Enfin, c'est l'arme, c'est balle. Oh oui, là, j'ai nettoyé l'étage, là. Rocher. J'ai nettoyé la salle violemment. Oh, je suis bientôt full sagesse. Ah. Les pièges Rogue Legacy. Mais c'est compliqué. Je peux perdre des points de vie sur une salle où il n'y a pas d'ennemi, moi. Oh, c'est bon. Ça passe. Je mets tellement d'argent. La thunasse. On va aller là-bas. Ni grand cet étage. Je suis repassé en. Voilà. Enfin, les balles qui passent à travers les murs, c'est sympa aussi. Là. Et la salle de chasse qui s'ouvre. Oh, ça serait con de prendre ce cœur, sachant qu'il en vaut deux et que j'en ai, il m'en manque seulement un demi. Là, on s'est bien remis en santé là. Allez, salle de sagesse. Un donut dégueulasse vert. Un bonbon à la menthe, d'accord. Ouh, les lanternes Kongming. Allons-y pour les lanternes. Une chance d'obtenir un lutin protecteur quand vous êtes blessé. Très bien. J'accepte. Bon, pas trop mal cette run. Si on reste assez fragile contre certains ennemis. Ah bah la salle d'objets, tiens. Enfin, je vais enlever toutes ces balles. J'ai encore des clés. Un sac à dos. Qui te suit à l'école bourré de trucs et de bricoles. Sac d'artificier. L'effraction des bombes est plus importante, plus aveuglante et plus efficace. Ah. Mais j'imagine sur moi aussi. Est-ce que c'était vraiment un bon objet ? Qu'on est content. Un cœur, ah bah il y a tellement de la vie. Ah, je peux ouvrir, j'ai plein de clés. Enfin, j'en ai deux quoi. Ça met tellement d'argent. Ah, j'ai ramassé le cœur, fallait pas. 215 pognons. 10 bombes. Même là, ça vaut le coup péter les rochers nuls. Hein. Ou de chercher la salle secrète. Qui pourrait être totalement à droite. En vrai, pour la secrète, il y aurait deux slots possibles. Trois slots possibles. Non, deux. Enfin, trois. Enfin, deux. Là, techniquement, peut y avoir la salle secrète ici, mais l'entrée peut être là ou là. Je pense pas qu'il y ait des salles secrètes avec deux entrées. Par contre, ce boule, elle fait chier. Apparemment, elle n'était pas là. Ah, ça tourne pas dans le même sens. Je vais m'emmerder. Ah, quoique là, la secrète, il n'y a pas vraiment de slot. Mais il y a plein de rochers, j'ai envie de tenter. Ah, rien. Et encore rien. Panique. La taille de ses larmes. Ah bah oui. Tout à côté. Oh mais le con! Vous pouvez pas me toucher, moi je rush sur lui. Bon, moi j'ai perdu un bouclier, je suis content. Il y avait la possibilité d'acheter l'arme. C'est quoi ce coffre là? J'ai pas accès? Avec toutes mes bombes là. Ah, il y a la salle du défi aussi. Ah mais c'était une clé, je crois qu'il fallait. Mais j'en ai plus qu'une, donc je vais garder au cas où. On va aller faire la salle du défi que j'ai jamais fait au final. Ah, et si elles sont plus efficaces, est-ce que les portes qui nécessitent deux bombes, il y en a plus besoin que d'une?
Bah non. Oh, il y a trois petits coffres aussi. Sur une clé, ça peut être cool. Ouf, ouf. Je suis déjà en vague 2 là. Ah, il y en a un qui a pop sur moi. Je le déteste. Ah, bah oui, tout en bas. Ah, le petit bouclier. Ah, il en reste en bas. Ah, oui, il y a des UF. Oh, vite. Bah alors. Meurs. Alors. Un signe de la marine. Augmente de votre vitesse de déplacement. Ah, tellement de coffres fermés à clé. Ah, tellement de grenades aussi. Je peux pas l'ouvrir. Hein. Il me reste un cœur quelque part, je crois. Ouais. On va aller le chercher avant le boss. Ah, c'est le gardien, c'est le premier gardien en plus là. Pff, vas-y, fonce. Fonce sur la boule à pique. Pire, là cette épée il est plus proche. Il n'y a pas d'obstacle pour l'atteindre. Bon, putain, j'ai tellement d'argent. Il n'y a rien à acheter. Ah, il est pas un. C'était un demi-bouclier, je crois qu'il y avait encore, si. On peut le prendre là. Là, c'est worse parce que. Je peux me prendre que 5 attaques et là, je pourrais en prendre une 6ème. Hop. Bon. Oh non, on va pas péter les cailloux là. C'est bon. Argos, le premier gardien. Est-ce que je touche? Ah, je touche pas. Ah, par contre, il me touche. Est-ce que je pourrais leur tirer dessus? Accessoirement. Oh, oh. Je l'ai frôlé deux frames, il est mort. Sa vie, j'ai même pas eu le temps de l'avoir baissé. Faudrait que je regarde le replay. Glace à l'eau. Ajoute un réceptacle de cœur. Très bien. Ah, c'est bien passé ce premier gardien. J'avais des doutes au début, mais. Regardez l'arme, hein, elle est bien. Niveau 6. Pas de gardien, mais un boss classique. Cette ouverture. Et là, la salle secrète. Oh! Oui! Ah, pour moi qui ai double cœur, c'est bien. Hein. La salle secrète des cœurs rouges, on aime. À distance, j'ai l'air de faire moins mal quand même. Hein. Une fois qu'elles sont séparées. Le Pikmin. Ah, une clé. Et la salle d'objets. Oui. Et. Casser ça. Ah. Ça n'a pas marché. Vas-y, réparti, fais le tour. Voilà. Oh. Petit coffre de pierre. Et des cristaux, de l'argent. Je trouve l'argent. Une run qui se passe pas trop mal. Le casque spatial. Augmente votre hauteur de saut. Merci. Si vous avez remarqué, ça fait 2-3 niveaux que je vole déjà. Ou même 3-4, je pense. Peut-être depuis le niveau 2. Oui. Ah, si j'arrive à bien la caler. Oh, joli. Et un UF. Le démon de feu aussi, il envoie hein, de la balle enflammée. Hein. Il s'échelle. Hein. Ah, alors attends. Oui, c'est là. Allez, go. Ah, il y a des TP et je fonce dessus. Ah, il y a des œufs. Il y a des œufs. Je vais laisser le bouclier parce que j'ai plein de cœurs rouges que je peux récupérer. Par contre, ça, je peux l'ouvrir avec une bombe, ça marche mieux. Autant que les plateformes s'en aillent. Petit objet, l'oiseau doré. Plus vous avez de pièces, plus vos tirs sont rapides. Ah bah là, ils vont être rapides là. Hein ? Il y avait quoi ? De l'argent.
pa. 14 de tir. De malade. Il y a des rochers marqués. Ah non, pas vous. Ah, c'est bon, c'est des. Ceux qui balancent des explosifs. Si je m'en rapproche pas trop, c'est ok. Souvenez-vous. Baby Cactus 3. Tituf. Ah, j'ai qu'une clé. Mais j'ai déjà trouvé la salle secrète. La salle d'objets. Mais il y a d'autres niveaux. On va voir si on trouve d'autres clés. Je fais un tir, je t'enlève tous les cartons, toutes les caisses, la moitié de la salle. Le singe. Tu perds rien des gars, j'ai pas de bouclier. Des uf. Des pièces. Flah. Bah alors. Allons là-bas. Allons les TP. Ah, j'ai jamais eu. Alors oui, c'était pas sur moi, donc vaut mieux que je reste immobile en fait, et que j'attende qu'il pop. Après, j'ai un risque de foncer droit sur lui et de prendre un dégât. Alors que les autres, ils attaquent au cac, il faut bien s'éloigner d'eux. Petit bouclier. Je prends l'argent. Pareil, je vais laisser le coffre fermé à clé. Ah, petit rocher marqué par contre. Ça peut voir le coup. Ah, j'ai pris cher. Et ben on va aller. Ah non, si l'ennemi cœur ça m'en donne un, donc je peux aller chercher un ennemi cœur là-dedans. Is ok, ça sera pas du gâchis. Et si c'était les cœurs complets. Ok. Donc ça va du coup là se faire exploser n'est pas trop punitif. Oh, double laser. Vas-y, prépare. Ah mais ils sont tous protégés là. J'ai attendu 20 ans. Ouf. Ah et voilà, et je me suis fait péter. Non. Allez, sors de ta cachette. Oh attention, il y en a encore un. T'as les yeux qui arrêtent les lasers quoi. Là-bas. Allez, bon, on va récupérer un demi-cœur. Pour plus de sécurité. Ah, c'était pas là que je voulais aller. C'était là. Voilà, ça c'est gratuit. Et des clés, jamais? Du pognon, c'est bon, j'en ai. Donnez-moi les clés. Le boss à droite. Ah, encore de l'argent. Merci. J'en manquais un peu. Bon, encore des cœurs. C'est bon, j'ai eu de quoi faire ça aussi, les cœurs. Bon, bah. Ah, mais oui, le sale objet, j'ai fait. Mais bon. Par sécurité, une autre clé, quoi. Petit singe qui sait pas où donner de la tête. Oh, les fantômes. Bah, qui m'approche, les fantômes? Échec. Ah, bah, une clé. Donc, on va le laisser. Premier nettoyage de proximité. Ah, le gripsou, le retour. Bon, on a assez d'argent. Hein. Pas besoin que tu nous relargues 3000 pièces. C'est un succès par le nombre de collectés, par le nombre de pièces collectées dans une run. Je pense que je suis bien là. Est-ce qu'on ouvre cette... Ce
ce coffre, sachant qu'il y en avait plein d'autres. Il n'y a pas raison qu'il soit pire que les autres. Si, le truc qui pourrait être pire, c'est que le loot tombe dans Epic. Ce serait un peu nul. On va garder celui-là pour la fin. Ah, le magasin. Mais il y aura des mobs, là. Je vais finir par taper la porte. On va essayer d'ouvrir le magasin très vite. Ah non, je peux pas. Ah si, je peux. C'est juste qu'il est inaccessible, mais je peux l'ouvrir ou la taper. Il a pris l'argent. Petit lapin. Ah, je vais pas changer d'arme, je vais la garder. Hein. En vrai, je peux la prendre juste pour la tester. J'ai de la thune. Et voir à quel point elle serait puissante avec les dégâts que j'ai boostés. Oreille de lapin, du coup. Vous n'êtes pas si ça peut vous permet de faire un saut supplémentaire. Super. Un jeu qui me troll jusqu'au bout. Moi, je vais acheter la grenade. Hein. Que j'ai comme thunas. Ok. C'est quoi cette salle? C'était fermé ou... Bien. Ah bah voilà, là. Celui-là on peut. Ah bah du bouclier. Sors d'où cette grenade? C'est Monopoly qui me l'a donné. Là, le katana il sert plus, hein. Là on l'a rangé. Hein. La mini momie. Bah j'ai tout fouillé là. On va récupérer les boucliers et puis on va pouvoir faire le boss. Et voilà, on a tout ce qu'il faut. On a tous ces coffres qui resteront fermés. Et c'est Charlie. Ouf. Bah déjà deuxième phase. Il m'a touché. Et moi aussi. Petit moulin. Moulin en papier. Un saut supplémentaire? Non. Augmente la cadence de tir. Toujours plus. Bon, bah voilà. Hein. Go la suite. Niveau 7, avec le deuxième gardien. Salle secrète, là? Ah non. Ça aurait pas rebondi, sinon. Allez. Ah, il y a des TP. Ah, mais c'est des TP cac. Donc il faut bouger. Attendez, je prends un peu l'argent. Hein. Lui, on va attendre. Lui, on va l'ouvrir. Ah, bah une clé. Bah, allez, bon, on ouvre ça. Je l'ai pris le bouclier. Ouais, bon, j'aurais dû attendre. On va laisser celui-là dans le doute. Non! Change de salle. J'espère que la balle a bien été enlevée. Oui. Et là je rush et normalement j'ai assez de sagesse. Ah bah oui! La merde un peu du coup. Bon, j'ai récupéré mes boucliers que j'ai perdus, ils ok. On va les laisser là. Pour l'instant on a pas eu de cœur rouge, mais on sait jamais. Plus fréquent qu'un bouclier normalement. Et la salle de sagesse. Qu'est-ce qu'on a? Le masque rituel ou le haricot magique? Allons-y pour le masque rituel, qui ne trompe pas de saut, je crois.
pouvez récupérer des cœurs en utilisant 5 cristaux. Ok. Même si on a jamais bien compris comment ça marchait. Est-ce que c'est tous les 5 cristaux utilisés ? Je pense qu'on peut pas utiliser spontanément 5 cristaux. Et on peut pas, il y a pas d'endroit qui nous demande 5 cristaux à la fois, donc du coup je sais pas trop. Ok. Oh, un objet. Sort d'où cet objet ? Masque de Kendo. Vous avez une chance de bloquer les dégâts des armes de mêlée. Enfin, les dégâts de mêlée. Oh bah tiens, il y a un rocher marqué là, oui. Oh, unique. Il y avait quelque chose dedans ? Bah non. Panique. Comment ça se fait qu'il y avait rien dedans ? Oh, j'ai pris si cher. Enfin, j'ai pris un bouclier, quoi. Pour rien looter. Je suis content. Ah, il m'a pris l'argent. Le magasin, oui. Magasin tous les jours. Ah, le mouton. Bah... Le mouton électrique. Ah bah c'est un Watt-Watt alors. Quand vous avez des boucliers, vous pouvez faire un saut supplémentaire. Mais niquez-vous. Bah pour la peine, j'achète une grenade aussi. Comme ça, je perdrai d'autres boucliers, j'aurai pas de saut supplémentaire. Là, techniquement, j'aurais plus le vol, je dois avoir un décuple saut. Un décasso. Qu'est-ce que c'est ? Ah, genre l'œuf a pris des dégâts et ça fait des... Ah, c'est la momie. Je suis en train de la tuer, non ? Elle prend des dégâts réellement, là ? Elle est où ? Where is the momie ? Elle est déjà morte ? Elle va dépop, là ? Non ? Elle est où ? Aveugle man. Ah. Je vais regarder un par un. Bon, on sait pas où elle est, la momie. Elle va peut-être dépop quand je vais changer de salle. Elle est peut-être morte pour le jeu, mais pas graphiquement. C'est pas clair. Tu vois pourquoi je trouve pas la momie ? À moins qu'elle ait un autre symbole plus simple. Ou c'est ça ? On sait pas trop. C'est pas clair. Un cœur rouge. Si jamais je perdais tous mes bouquets et un peu plus. La mini momie 3. On voit toujours pas. Il doit exister dans un autre plan d'existence. Qui n'est pas celui de l'interface apparemment. Oh non! La clé, il me la faut, c'est ce que j'ai le moins. Attention, la boule à pique. Ah, oh, je la sens bien, la secrète, là. Bah non. Je tente des choses. Petit rocher marqué. Il y avait d'autres ennemis encore, apparemment. Ah bah non. Je voulais pas le récupérer tout de suite. Bon bah je l'ai. Il a foncé droit sur moi, je n'ai rien pu faire. C'est très linéaire. Ok. Oh, l'ennemi qui pop sur moi. Allez, vas-y, touche encore. Bon, il y a des cœurs, hein, c'est pas grave. Enfin, il y en a un, je crois, surtout. Il me reste encore des boucliers, finalement. Hein. Un uf. Ah oui, en fait, si je suis en mouvement, les notes suivent un peu, en fait. Elles partent pas dans toutes les directions, du coup. Attends. Calme-toi.
Petite slot machine. Longtemps. Oh bah, incroyable. Normalement, j'ai pas besoin de bombes, hein, ça devrait le faire. Merci Malkin pour le raid. Bienvenue à toi et à tes 4 viewers. Comment ça va? Pour la petite clé. Juste la clé, voilà. Petite grenade. Le petit cristal aussi. On va aller par là-bas. Ah, il y a le docteur bleu. Du coup, il me prend mes cœurs rouges pour faire des boucliers. Des fois. Ou plutôt, il me prend mes cœurs rouges tout le temps pour me faire des boucliers. Des fois. Et salut Monsieur Cabotin. Comment ça va? On est sur une petite run pétée de Néon Abyss. On a violé le premier gardien. Et là, on arrive sur le deuxième. On va voir si ça se passe mieux. Des coffres. La salle d'objets qu'on n'avait pas encore trouvé. Un uf. Est-ce que je vais gagner un énième saut supplémentaire? Ah, ça c'est les explosifs ça? C'est moi qui explose quand je tue un ennemi? Quand tu as des ennemis, vous avez une chance de déclencher une explosion. Les petits oiseaux de Deidara. Petit oiseau d'argile. 8 bombes. Je peux aller là-bas. Ça, tranquille. Ah, des grenades, j'en ai plein. J'en récupère une en plus. Et encore une. Ok. Qu'est-ce qu'il nous reste à explorer? Plus rien, là. On va prendre les boucliers, du coup. Et on va aller voir le deuxième gardien qu'on avait vaincu qu'une fois. Et que là, à nouveau, on pourra pas trop bien étudier les patterns parce qu'il va peut-être fondre en deux frames. S'il fait comme le premier gardien. Que veut Cucu. Ah, Cucu, Mala. Est-ce que tu vas bien? Vous avez fait quoi de beau? Du Fall Guys? Y a un coffre ici. Pourquoi qu'il est pas ouvert? Parce que j'avais pas cette clé encore? Maybe. On peut l'ouvrir maintenant. Ah bah la clé infinie. C'est bien, c'est temps d'arriver à la fin de l'étage. Alors qu'il y a plus de coffre à ouvrir sûrement. C'est peut-être à gauche. Comme ça je pourrais l'ouvrir. Petit bouclier là. Tenter la secrète là. Ouais. C'est le Cocor Family que tu traînes avec toi, c'est ça. Chacun de ces familiers vous représente. Je vous laisse deviner lequel vous êtes. Alors, il y en a un qu'on connaît bien. Il y en a un qu'on voit. On a vu plusieurs fois sur ce stream déjà. Il a beaucoup fait parler de lui. Chat 1, chat 2, chat 3, chat 7, chat 8, chat 51, chat 52. Ah, je me suis vu. Et en plus, c'est la deuxième fois qu'on te voit, hein, sur ce run. T'avais tellement aimé nous donner ton pognon que tu es revenu pour reprendre ton pognon. Suis l'homme en costume, peut-être. On dira pas en costume de quoi. Bon bah boss, deuxième gardien. C'est parti. Hall. Est-ce qu'il va fondre? Ah oui, il a l'air de fondre là. Ah oui, il fond bien là. J'ai pris un dégât mais il fond. Attends, je peux pas faire de dégâts là actuellement. Ah non, je peux pas faire de dégâts actuellement. Ah bah si, là c'est bon. Voilà. C'était le deuxième gardien. Il a fondu lui aussi. Bon, un peu moins vite, mais il a fondu. Tangulu. Respect de cœur. Et voilà. Et un petit jeton. Et ben...
Calme-toi. Musique qui s'enjaille d'un coup. Je sais pas pourquoi. Niveau 8, je crois qu'on n'y est jamais allé au niveau 8 parce qu'on a fini une première fois le deuxième gardien. Et normalement, c'était fin de run. Donc là, on va découvrir le niveau 8. Je suis qui? Ah, je sais pas, Mala. Eu l'info. On t'a pas dénoncé. Petit magasin, ouais, j'ai de l'argent. Ah, pas autant qu'avant, mais j'ai de l'argent. Attends, on était monté à 250, je crois. On va prendre l'objet. Ah, tellement de cœur rouge. Petit tromblon aussi. Le badge de voyou. Chaque fois que vous ramassez quelque chose dans cette salle, votre vitesse de déplacement et votre hauteur de saut augmentent. Bon, la hauteur de saut, on s'en fout. Mais la vitesse, ça va se voir. Tu es le petit poulet. Un petit poulet? Où ça? Quoi que tu appelles le petit poulet? Qu'est-ce qui s'apparente à un poulet? Il y a des œufs, certes, mais... Est-ce que c'est Mala qui les a tous pondus? Est-ce que vous êtes tous les enfants de Mala? Je ne sais pas. C'est quoi, ça? Ça va m'attaquer ou... On connaît pas? Est-ce que je prépare mes tirs tout de suite? Oh, dans le doute, je vais tirer, hein. C'est sûr, c'est juste du décor. Hein. C'est comme les questions existentielles de Sato. C'est quoi le petit néon en forme d'éclair? C'est du décor. C'est peut-être du décor aussi. Enfin, je crois que c'est du décor à 100%. C'est bien le rose à feuilles et l'égyptien. Je crois qu'il s'appelle comment? Il s'appelle rose, fleur, plante, je sais plus. Il s'appelle fleur. Et je crois qu'en fait, ouais, il veut plus m'afficher plus de 3 lignes de familier, alors qu'avant, il me semble qu'il le faisait. Donc du coup, la momie, c'est pour ça qu'on la voit pas. On voit pas les pets. D'ailleurs, et en plus, ils sont par ordre d'obtention, ce qui fait qu'on voit les premiers qu'on a eu, mais les derniers, on les voit jamais, du coup. C'est peut-être plus logique de faire l'inverse, mais bon. Ok, Mala. On va aller à gauche. Ah, alors lui, le TP, il faut pas bouger. Enfin, faut bouger, mais dans la bonne direction. Faut que j'ai pris un dégât. Mais je vais bien. On continue. Là, il y a encore un TP. En bas. Le monstre marin. Monstre marin qui a jamais bien l'occasion d'évoluer, hein. Un petit tuf. Voilà, j'ai... Oh! Oui, on a eu des grosses pièces de 50 aussi que Cabotin nous a pris. T'es pas toujours d'accord. Oh, le gros coffre. Coffre à cristaux. Ah, j'ai pas assez. Ah, il manque si peu de sagesse pour être full. Mine dangereuse. Chaque fois que vous sautez, vous laissez derrière vous une mine dangereusement géniale. Sauf que je ne saute pas. Je crois. Alors sauf si je appuie sur LT, est-ce que ça spawn quand même une mine? Non. Donc ça sert à rien. C'est Cabotin qui l'a pris. Allons là-bas. Là, on voit que ma vitesse, elle a bien augmenté là, avec les objets que j'ai ramassés. Et la sagesse. Oh, 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 à moi. Ah, je l'ai eu, je crois. Je sais pas. C'est pas clair. J'ai cru voir mon argent augmenter quand j'ai touché la pièce. Ah, j'ai ouvert, fallait peut-être pas. J'ai plus de clé. Nick. On va en trouver l'autre. Bon, après, est-ce que j'ai besoin d'un item en plus? Est-ce que c'est primordial? Et remala. Le médaillon de chat, moi vouloir être... Moi vouloir être de rive. Protecteur, c'est une arme, ça? C'est pas clair. Médaillon de chat. Je suis...
au-dessus de la sorceleuse lapine qui vole. Refais voir quand même. Oula, bah c'est le dernier item que je verrai. Moins vous avez de cristaux, plus votre arme inflige de dégâts. Bah j'ai beaucoup de... Ah non, j'en ai pas tant que ça en fait. Mais j'en ai un peu quand même. Retournons là-bas. Et on va continuer le chemin là-bas. Un TP. L'œuf. Oh, il est mort. Il est mort assez vite en fait. Ok. Petite salle du sacrifice. Peut-être un peu tôt pour y aller. On ira en dernier. S'il nous reste des boucliers à perdre. Ah bah voilà. Pas de moins à perdre là déjà. Petit rocher marqué. Ah oui, mais j'ai plus de clé. Là où c'était l'escargot, je sais plus. L'escargot néon. Oui, là c'est la sacrifice. Trop de balles. Petit coffre. Ah bah voilà une clé. Si jamais je trouve la salle d'objets. Ah, il y avait des ennemis. J'ai dit salle de TP, pas d'ennemis, mais en fait si. Ah non. Ah bah non, c'est bon. J'avais pas besoin de mon cœur présentement. Une sœur zombie. De bombes. J'ai perdu un peu des boucliers quand même. Hein. Ah bah non, c'est pas moi. J'étais pas. Je suis jamais venu ici. Ah mais non, mais c'était là en fait la salle. La salle TP. Non, bah on va le laisser ce coffre. Hein. J'ai build un peu de sagesse déjà. Pas des masses, mais bon. Bah oui, en plein dessus. J'ai hésité un peu. Le bébé alien. Putain, j'ai plus de vie, j'ai plus de bouclier. Une clé USB. L'outil de piratage. C'est bon, les clés ne sont plus un problème. En effet. La description est ok. On voit bien le message que la description veut faire passer. Bah, pour la peine. Non, je peux pas. Là-bas, bah, il y avait un coffre fermé à clé. Ah bah oui, ça m'arrange. Ah. Si c'est une salle de bouclier, ça serait bien. Hein. Bon, il y en a, mais... vas-y, prends les... Ouais, transforme-moi les... Oh oui. Oh oui. Bon, j'aurais gagné un demi-bouclier, c'est ça. Ah non, retour, j'ai pas été touché. Incroyable. Ah, elle est restée ouverte. Ah, ils ont changé ça. Ou c'est mes pets qui se sont sacrifiés pour moi. Ah, si j'avais su. Ah oui, parce que ils arrêtent les balles, donc peut-être que ça marche aussi pour ça, du coup. Peut-être qu'on serait comme un tir de balle, le laser. Moi, bon, je saurais. Je testerai avec et sans l'item du coup. Ça coûte rien. Juste de tourner le dos. Ah, ça sacrifie un pet, y'en a un qui est décédé. J'ai pas vu. Qui c'est qu'on a perdu? Est-ce que je serais pas full bouclier là? Être loin. Hein. Oh non, il y a un peu de marge encore.
Non, il m'en manque. Mais quoi, j'en ai 7, il m'en manque 3. Et ce coffre, ah non, c'était un coffre mordé. Mais du coup, il n'y a pas de cœur parce que l'autre, il les pique tous. Eh ben, gardien 3 que je connais pas et qu'on aura peut-être pas l'occasion de connaître parce qu'il va peut-être mourir très vite. On aura peut-être pas trop le temps de voir ses patterns. Moi, je peux tanker. Ah, l'Égyptien, la momie. Je suis toujours là. Ah oui, on aura vu l'argent. Hein. T'inquiète pas. Ton décès ne passe pas inaperçu, monsieur Cabotin. Tu sais te faire remarquer. Allez, bah... Zeus, le dieu de l'électricité. Ah, moi aussi, j'ai des boules qui tournent. Voilà. On a vu deux patterns, les boules qui tournent et les éclairs. Voilà. Coupure de courant, succès déverrouillé. Hanté. Alors que vous perdez peu à peu conscience, une lumière chaude vous enveloppe. Et 2-3. Nouvelle cible, bien joué, vous avez déverrouillé un nouveau gardien et un nouveau niveau. Est-ce qu'il y aurait 10 niveaux du coup au total? C'est possible. Arès, dieu de la violence. À travers les âges de la civilisation, la colère et la violence ont toujours été profondément ancrés dans le cœur des hommes. Cet instinct primaire ne s'efface pas. Le jeton de la violence que vous trouverez dans son temple vous guidera jusqu'à lui. Ah, donc je crois, alors oui. Il sera peut-être quand même à l'étage 8, mais il faut que je fasse des... Je pense qu'il faut que je fasse des sacrifice rooms, il faut que je fasse des salles de violence pour récupérer des jetons. Alors, un jeton. J'aurais qu'un jeton à faire, donc il faut que je fasse au moins une sacrifice room, a priori, pour le débloquer. Et j'avais vu Arès, ouais, déjà. Sur un tweet. Ok. Du coup, on a 9 à dépenser. Ça coûtait 10 de mémoire. Ah, il y avait la salle de danse. La salle de pump it up. Et danser que ça saute, mais ça coûte 10 aussi. Donc on va peut-être prendre autre chose. Et ben, il nous reste ça, hein. Le casque puissant. Vous êtes blessé dans cette salle, un anneau électrique vous entoure et inflige des dégâts aux ennemis proches. Ah oui, donc on l'avait pas débloqué ça, l'anneau électrique. On va pouvoir le tester normalement. Et du coup on sera en difficile 2. Ça risque d'être compliqué la prochaine run. Amir. C'est parti. La mort est la seule issue. Allons à gauche. Faire cette salle. Si je visais bien aussi, ça irait bien. Vas-y, bouge plus. Bougez plus. Vous êtes bien là. Demi-cœur. J'ai raté quoi? J'ai gagné. J'ai vaincu le troisième gardien d'ailleurs, faut que je passe à quatrième gardien maintenant. D'être à corps.
Ok. Gagné easy. D'ailleurs, je n'ai même pas fait gaffe si j'avais débloqué un nouveau. Non, je crois que c'est quand on débloque un personnage qu'on débloque un nouvel onglet sur les récompenses à débloquer. À vérifier quand même. Ah bah oui, oula. On s'est sur explosif, mais ça va, j'ai tiré dedans. L'oignon. Le casque oignon. Vous obtenez une barrière de protection temporaire par salle. Ah oui, c'est bien ça. On va garder si jamais il y a la salle secrète. Oignon. ça débloque le niveau d'après, mais tu vas pas accès direct. Ouais, je recommence au début. Hein. Oh. Boum. Ah, ça a pas tout pété. On va garder ce bouclier de côté. Bah, ils sont montrés mais pas trop. Ah mais non, je voulais pas rebondir. Une clé. Il y a encore des rochers marqués. Donnez-moi les grenades, j'en avais plein la run d'avant. Ah, alors non. Bah non, ça va pas comme ça. Quoique, si c'est bon. Oui. Ah, ouais, tant pis pour le bouclier. J'ai la protection, j'ai la protection. Ah, j'ai la protection, mais pas trop, hein. Pas trop en abuser non plus, hein. C'est une durée limitée. Assez limitée d'ailleurs. Un uf. Qui est dans cet uf? Ok. Pas de sous. Il manque un petit peu de clé. Oups. Ah, il s'est pas bloqué. Attends, on va gérer lui en vrai en premier. Si je peux. Parce que avec le saut, c'est compliqué. Oh, la mouche. J'en ai eu un. Ok. Ah, trop tard. Ok. Ah bah la secrète. Salle de défi. On va d'abord chercher la salle d'objet. On va pas tout fouiller. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Des cœurs.
Bah voilà. Ah par contre, ah bah oui, bien niqué mon bouclier là. Une clé. Et une flamme. C'est le flambeau. Torche dorée. La lumière apporte la chaleur. Vous obtenez une salle de... au trésor supplémentaire à chaque nouveau niveau. Oui. Ah, par contre, il me faudra deux clés du coup. J'imagine celle-là, ça compte pas vu que c'est pas un nouveau niveau. Ok. Eh ben, je vais pas dépenser ma clé, du coup, je vais la garder. Par contre, on peut faire la salle du défi. Oh bah oui. Ah et l'arc électrique. Ah bah oui. Bah. Bon je l'ai déjà. Ça électrocute. Ok, le signe de la marine. Augmente votre vitesse de déplacement et améliore votre arme. J'imagine que ça pète pas les rochers, hein. Pas de conner. Bah, y a des cœurs rouges, donc on va en récupérer, puis on va... Bon, en vrai, il y a tellement de cœurs rouges que je pourrais faire le boss sur mes cœurs rouges. Après avoir l'ennemi bouclier, ça pourrait être une, un gage de sécurité. Bon, de toute façon, lui, je peux pas le récupérer. On va prendre juste lui, du coup. Et on va aller au boss. Et là, il y avait un crystal. Est-ce qu'il était accessible ? Allez. Et le boss, c'est Tic. J'ai pas envie de m'attaquer, je crois. Enfin, il est en niveau 2, hein. Ah bon. Il est en difficile 2, mais on est sur le premier niveau, enfin sur le premier étage, donc finalement, il doit être quand même moins vénère. C'est vrai qu'on l'a rarement en premier boss, lui. Est-ce que c'est parce que, justement, on est en difficile 2? Aïe. Flaque d'esprit, vous entendez des murmures. Ajoute un réceptacle de cœur et rend des cœurs. Bah, du coup, j'ai plus besoin d'aller me soigner. Wep. Ok, merci pour le GG. Moi je prends le dernier dégât, de toute façon je suis full vie. Hein. Et de toute façon je vais perdre un réceptacle. Donc, ça change rien. Le magasin, j'ai pas d'argent. Ah bah oui. Bien joué. Bon, ça j'ai pas pris de... J'ai pas pris de violence pour ça.
Oh, qu'ils sont chiants. Ok, bon j'aurais pas la sagesse mais au moins je peux passer en violence. Par contre je sais même pas si je passe sur le... trampoline. Il y a des spios. Bah mais qu'il est au-dessus. Un uf. Deux uf. Ah ou pas. Ok. Ça c'est fait, par contre faut que j'aille le looter. Ouh. Famille qui a tanké. On va tirer au bon moment. Un cœur. Et l'argent. Restore. Et crystal. Ok. Ah oui, c'est qu'on a deux salauds trésors maintenant. Voilà la première. Au haut ou bas pour l'intersection. Pour fendeur de démons, tuez suffisamment d'ennemis et vous obtiendrez des cristaux. J'ai des petites cornes, un petit oignon à cornes avec des... une moustache, on sait pas trop. Pas clair. Au début on aurait dit des lunettes, mais ça a l'air un peu poilu. En haut. Bah c'était nul. C'était pas fou en bas non plus. Mais c'était moins nul. Ah bah ils l'ont énervé. C'est pas moi, c'est les pets. Bah alors. Bah non. C'est trop tard. Tu as fait ton choix. Ah bah oui. Le frère de Neige. Genre j'ai même pas désactivé la plateforme. Oh ah oui bah oui l'arc électrique, ça marche aussi. Hein. Salle de défi, mais bon. Il reste encore une salle de trésor à trouver normalement. Ah, alors qu'il y a une clé ici. Il y a de la vie là. Ah, bah non, mais la vie elle était de l'autre côté. Ok.
Ah, le magasin commence à être bien en argent là. Donc c'était un qui tirait en ligne droite. Ah, un bouclier. Ah bah oui. Échec d'éclosion. Je peux pas y aller là. Tituf. Et l'autre salle d'objets. J'ai la clé. Et quelque chose. Le maïs confit, plus vous avez de familiers, plus vous tirez loin. Plus de portée. Ah oui. De quoi ouvrir. Alors. Magasin, il manquerait un peu. Quoique j'ai. Toujours l'arme de départ. Hein. Faudrait peut-être là en profiter pour la changer. Et là c'était une salle de défi, mais il me fallait une clé que je n'ai pas. Bon, on va aller voir le magasin du coup. Il fallait quoi là pour avoir tout ça à droite là? Ah, le bouclier c'était ok. Ah bah la grenade aussi j'ai jamais pris. Parce qu'on avait des rochers marqués. Non, on avait les coffres derrière des... Voilà, il faudra trop de bombes, là. Dans de la pierre, mais bon, il y en a une qui est fermée à clé, donc ça serait con de le débloquer et de pas pouvoir y avoir accès. Plus une bombe pour un coffre classique, c'est pas terrible. On va prendre ça, déjà. L'autre, je sais plus s'il est accessible. Trompette. Le pistolet trompette. Ah, et l'autre c'était une arme, l'objet. Un 70. Bon, allons-y pour la trompette, je sais plus ce que c'est. Le plus important dans la vie, c'est d'être heureux. Active. Vous pouvez voler dans la salle actuelle. Ok, le ballon. L'ode à la joie. Ah oui, c'est que ça rebondit. Pourquoi pas? Ça, je peux pas y avoir, ou alors ça coûterait une grenade, mais bon. Ah, il existe un monde où je récupère la clé, mais il existe un monde où je lance ma grenade à côté. Alors, ouais, je peux utiliser la clé pour la salle du défi. J'aurai un item, hein, techniquement. Allez. On va plus la garder pour les items mondes de la salle d'après, mais là, j'aurai un item. Il y a des coffres, il y aura peut-être des clés dedans. Ah, sauf que j'ai merdé le bouclier. Vous êtes pas des moutons, arrêtez de faire bain. Ah, du bouclier, oula. Mais comme mes balles rebondissent, bah ils sont éclatés. Aïe! Mais non, mais reste pas dedans. Ah ouais, ouais. Pourquoi pas. La carte. Carte de mendiant. Vous ramassez quelque chose dans cette salle, vos dégâts d'armes augmentent, oui. On est bien en ville. Est-ce que j'avais besoin de voler quelque part? Pas vraiment, hein. Pas que je sache. Si, il y a un endroit. Pour un coffre nul.
sera peut-être pas si nul. S'il donne une clé ou... Comment que j'utilise déjà? Comme ça. Super. On a bien fait de pas claquer une grenade pour ça. Hein. Ok. Et ben, le boss. C'est parti. C'est Kimi. Kimi qui est un peu en l'air hein, quand même. Avec les balles rebondissantes. Bah, qu'elles rebondissent haut. Ah oui, niveau 2, c'est chiant parce que là, les notes elles bougent plus. Elles vont pas forcément bien en ligne droite. Ce qui les rend plus pénibles à éviter. L'arc électrique, mais bon, c'est un peu risqué quand même. Putain, là c'est chiant. Ça sent qu'on est moins pété en dégâts qu'avant. Hein. Les combats sont un peu plus longs. Putain, ah c'est bon. Ok. Buvez un coup, tirez un coup, rincez, répétez, augmentez. On s'est augmenté considérablement vos dégâts d'armes. Tire un coup. Ok. Niveau 2. C'est bon. Pour la suite. Et celle d'objet, j'ai pas de clé. Salle du défi. Combien de cristaux? 2 ou 3? 3. Oh, on manque un. Allons là-bas. Des cœurs. Oui. La salle de sagesse. Oh, mourir, mourir tous. Je vais rester là, je suis bien. Non mais je vais le toucher l'autre. Putain, le frère de neige qui balance toutes les boules de glace. Oh putain. Il m'a eu. Le bébé alien. Ok. Je peux utiliser 3 cristaux pour voler et récupérer un cristal. C'est pas très worth. On va aller là-bas. Je peux arriver à faire rebondir ma balle sur la plateforme pour aller encore plus haut. Pas besoin. Le docteur bleu. C'est le xénomorph. Mon bébé ou ça? Ah, je ne sais pas. Je n'ai pas leur nom. Oh, j'ai sauté dans l'explosion, mais ça va. Je le vis bien. Comment ça va, xénomorph? J'ai pas de clé. Ah, il m'a volé.
Ok. Ça va, et vous? Bah, ça va bien. Et toi? Il y a mon bouclier. Oula, ah bah oui. Bah oui, prenons toutes les grenades. Le bébé Alienix. Ah bah c'est lui. Ok. Bien, il nous aide le bébé alien. Un magasin. Pas déjà eu un magasin? Ah non. C'était une salle du défi. Ah, que je peux aller faire. Par contre, j'aurais jamais de clé, hein, apparemment. Petite clé. Ah, si j'ouvre celui-là, j'aurais pas assez de cristaux pour... Pour les salles du défi. Eh, mais j'aime la salle de sagesse depuis 20 ans, là. Je cumule de la sagesse pour rien, du coup. En fait... c'est quoi ça? Bon, voilà, chaque fois que votre familier évolue, vous laissez tomber un demi-bouclier. Ah, c'est bien ça. Garde de pierre, votre balle crée une plateforme. Oh non, vas-y, le bonbon à la menthe. Hein. Chaton. Twitchon. Comme dit Mélenchon. ouais, salle du défi, ça sera un objet. Hein. Potentiellement, il y a des coffres aussi. Ce cristal, il est où déjà? Il est pas accessible, je crois. Ah oui, c'était un cristal pour un cristal. Enfin, trois cristals pour un cristal, c'était pas dingue. Miaou. On va aller là. Hein. Putain, je vais avoir zéro salle d'objets sur les deux. Tristesse. En vrai, il y a le magasin aussi que je pourrais voir. C'est vrai que la salle du défi, je pouvais sacrifier des points de vie aussi, mais bon. Je serais passé en violence. Je peux garder mon... On a vulnérabilité. Ça peut servir. Ah bah des cristaux. Parfait. C'est la même qu'à l'étage d'avant. Mon croquet. Ah non, le cœur rouge, je vais me le laisser. Je voulais bien. Ah bah, il m'a donné un bleu. Parfait. Et un objet. Le masque interdit. Vous avez une promotion, améliore vos stats dans tous les domaines. Ça, c'est bien. Un petit réceptacle. Épatelé. Bah, de toute façon, il n'y aura pas grand chose d'autre à fouiller. Donc, je vais prendre le bouclier déjà. On va prendre ces deux cristaux. Oui. Ça me va. On va aller ouvrir le coffre là-bas et puis... Si y a une clé, c'est parfait. L'autre coffre, je sais plus ce que c'était l'histoire. De l'argent. Et ben on va aller voir pour acheter des choses. Une grenade, est-ce que ça m'aiderait? Pas vraiment. Pas vraiment, pas vraiment. Je peux toujours tenter de transformer le demi-cœur rouge en bouclier. Bon, pour 15. Ah, c'était quoi la salle déjà? Ah. C'était un coffre fermé à clé, mais je n'ai pas assez de clé déjà pour les objets, donc tant pis. Ça fait chier, mais tant pis. Et ben, le boss, du coup. Il est où mon curseur? Allez, deuxième boss, bloc. Aïe! Ah non, c'est bien de prendre en fait. Oui, l'argent. Est-ce que c'est mon argent? Je sais pas trop ça. Ah non, ça passe à travers les plateformes, ces trucs de merde. Ah, c'était peut-être mon argent, ouais.
Ouh. Voilà. Et c'est plutôt bien passé. Protocole bleu, laissez-vous guider, ajoute des boucliers, améliore votre arme. On va aller récupérer le cœur rouge. S'il est récupérable. Sinon, puis le transformera et me donnera un cœur bleu. Je vais transformer l'autre si tu veux. Panique-toi. il me restait des cristaux à gauche. Et bah allez. On a deux items qu'on laisse. Tristesse. Niveau 4. J'ai 7 cristaux. Aïe. La mini-momie. Ah, d'accord. Les monstres TP. Et le bébé fantôme. TP tout de suite. C'est quoi ça? Juste une porte comme ça. Bah allez, on va aller voir. Ah bah tiens, une clé. Oh, allez le coup. La clé, on le prendra après. Et on va aller à l'item room qu'il y avait en haut. Masque de cauchemar, vous avez une chance d'obtenir un lutin maléfique quand vous êtes blessé. Allez. Et on va aller là-bas. Aïe. Oula la balle, c'est bon. Tout va bien. Aïe. Oh, c'est grosse boule. Les grosses boulettes. Oh, la grosse pièce aussi. Rouge. Mince. Oh. Ah, je m'en vais. La mini-momie 2. Du bouclier. Ok. Sinon par là. Oh. Les TP. Aïe. Petit coffre, petite bombe. Le magasin, on va l'ouvrir. Qu'est-ce qu'on a ? Pied de biche. Donc encore 6. Et on pourra la voir. Oh. Oh. Je peux plus tout éviter là. Ça va être chiant de tirer en haut avec la balle rebondissante là. Ok. Encore pas mal de choses à explorer.
Bon, je vais laisser les boucliers encore. Oh non, pas vous. Oh putain, je l'ai pas vu venir. Je pense qu'elle venait d'en haut. Ouf, ah non, c'est bon. Minimum i3. Est-ce que je volerai pour quelques pièces? Pourquoi pas, hein. Je commence à les prendre les boucliers, je commence à manquer de cœur rouge. Pas dit que j'en trouve autant maintenant. Ah, je pourrais acheter l'objet. Ça attendra. Il y aura peut-être un pour moins cher. Si j'arrive à passer. Oui. Pas d'objet, mais de l'argent. Bon, je suis presque remboursé et j'ai eu 2 sous. Ok. Ah, j'ai loupé une pièce avant. Ah oui, je sais, oui, il fallait voler. Il fallait s'envoler, mais bon, j'ai pas trop de cristaux. Il m'a touché vraiment. Ah non, c'était la fin de mon invulnérabilité. À chaque fois, je me fais avoir. Là, par contre, je me suis fait toucher. Bonjour, ça a pas pété tous les blocs. Ah, bon, j'aurais préféré le rouge. Tant pis. 3 grenades. Je n'ai pas de clé. Pour une pièce, vraiment. Je peux claquer mes cristaux pour ça. Ah, ça je prends par contre. En haut, apparemment, j'ai pas de coup d'explorer. Mais là, il fallait une clé. Ça, tu peux l'échanger au pire. D'accord. Merci à tous. En haut, je pouvais pas y aller. Bon, on va récupérer les boucliers, puis boss. Hein. Non, on loot pas beaucoup hein, sur cette run. J'ai peur qu'on devienne... qu'on se fasse un peu dépassé par la puissance de l'adversaire. Le cristal, il va être à l'entrée. Ok, est-ce que j'ai tout ramassé les boucliers? Apparemment. Il reste un peu de tunas à ramasser. Mais bon, j'ai juste le plein de cristaux, il n'y en a pas d'autres. Allez, bah boss. Oh, ça va, on a pas mal de boucliers en vrai. À la Mac Family. Bon, les balles rebondissantes, avec un peu de chance, vont toucher facilement les ennemis, enfin les œufs. Sans que je vais trop aller viser. Sur moi. Ok. Le pouce bleu. Enfin, le pouce gris. Le roi approuve. Améliore votre arme et augmente la vitesse de vos balles. Ok. Et bah, étage suivant. Enfin, j'ai encore laissé un objet. Hein. Merci pour le GG. Ça fait 2 heures qu'on est en stream, on va faire une pause du coup, on va en profiter. Je vous retrouve dans 5 minutes, à tout de suite.
Allez, me revoilà. Ben. Allez, on est reparti. Go. On en est au niveau 5. Les dégâts qui font un cœur. Et le premier gardien. Si on joue bien. Allez, on va commencer par la gauche. Ah. On va rush par le trampoline. Et remala. C'est reparti. Ah non, les geckos, c'est fini. C'était juste avant. Comment ça, Kero? C'est bon, je l'ai eu. Et la clé? Ah bah quand même. Tant mieux si ça va. Du coup, c'est à gauche. Et ça va tranquille. On avance bien sur Néon Abyss et on a vaincu le troisième gardien. Et on a débloqué le quatrième. Ah oui, il faut que je fasse du sacrifice, ça je suis en train de penser. Si je veux le jeton. Ah, et le monsieur cabotin qui prend l'argent. Oh, le triple rocher marqué là. Ouais. Une clé. Ça, j'ai les deux clés pour les deux item room. C'est attention à la prononciation. Hein. Comment ça? Bonjour. Attends, mais si ça va. Allez, descendons. Ouf. On va commencer par là-bas. Hein. Une arme. J'ai déjà une arme achetée là. Pistolet en plastique. Éclatez-vous. Réinitialise tous les coffres fermés. Pas mal ça. L'avantage c'est que là les balles elles persistent un peu. L'eau de la joie. Est-ce qu'elles persistent longtemps? Un petit peu. Voler c'est bien, réinitialiser les coffres ça peut être sympa aussi. Faut encore que si j'avais des bombes et des clés, ouais. On va rester sur cette arme. France vers un mur et tombe sur le lit. Je vais debout demain pour 8h, mais je sens que je vais pas dormir comme il faut. Je pète la forme depuis 20 minutes d'un coup. Ah, ah, c'est comme moi hier, hein, je me suis couché à 7h et je me suis pas endormi avant 10h. Parce que jouer un jeu chiant suffira ou un 4x, calmez bien. On va la laisser cette arme finalement. Ah, les TP nuls. Enfin, les TP chiants. Ah, bah oui, en plein sur l'explosif. Ah, bah du coup, le docteur bleu il a décédé. On va peut-être pas prendre les boucliers tout de suite, même si j'en ai déjà pris un. Y'a un truc bien là dans ce... Non, on s'en fout. Si jamais je perdais de la vie, on va les laisser là. Deux clés, je récupère une grenade plus le coffre. Mais les clés, j'en ai besoin. Voyons. Ah bah tiens. Une première salle au trésor.
Moi, je vais me coucher. Bonne soirée à tous. Des bisous. Des bisous, monsieur Cabotin. Merci d'avoir été là. Et à très bientôt. Repose-toi bien. Bon courage pour la vie. N'importe quoi. Qu'est-ce qu'on a ? Une canne à sucre. Un sucre d'orge. Plus vous êtes familier, plus vous tirez vite. Oui. Ah, c'est mes balles qui explosent et qui font des balles bleues. Eh ben putain, mais je suis pas dans le live. Comment ça ? T'avais pas streamé ? Salle de défi pour deux bombes. Ouais, c'est peut-être plus worse que rien. Allons-y. Attends, je vais garder mon bouclier quand même. Ah, t'avais pas streamé tout à l'heure ? Tu m'arrêtes, t'as dû streamer. La fête des boules. Et l'UTP, j'ai vu. I see the TP. Il y a re-DTP. Un que j'ai pris là. Fait des dégâts de je ne sais où. J'évite des tirs, je sais pas comment. Hein. Peut-être que je les prends en vrai. Hein. C'est bon. Marteau de Léo le Forgeron. Cling cling cling. Améliore votre arme. Augmente vos dégâts d'armes. Des plus grosses boules encore. Des boules toujours plus grosses. Laissez avec moi, monsieur Capotin Stream. C'est pas qu'il avait créé sa chaîne. On m'a pas tout dit. Ok. Ah non, reste en bas. Non, c'est bon. Allez, monte mieux ta balle. Ah, il prend tout l'argent. Faut pas le faire chier, c'est pas drôle. Mais si. Il roule de façon... MGS pour MGS. Ah. Léo, Léo, Léo. Ah, ça le fait moins quand même. Team, team, team. Allez. Le TP. Les caisses. Oula, attends, ouvre le magasin. Oh, trop tard. C'est pas moi. Ah putain, je suis passé en violence. Ah oui, mais il faut. Il faut être violent. Si on veut voir Arès. Donc c'est pas grave. On fait avec ce qu'on a. C'est ça. En plus, j'ai pas choisi mon meilleur endroit pour avoir la salle de violence là, niveau 5 là. C'est pas le meilleur endroit pour se faire toucher et prendre des dégâts quoi. Le petit ourson. Ah, des boucliers qui volent. Mais bon, j'ai tout nettoyé. Y'a plus rien. Plus d'ennemis. Gardez ça pour plus tard. J'ai envie de voir s'il y a des jeux de forge sur Steam. Il y avait un jeu de rythme sur de forge sur 3DS. C'était bien cool, je me rappelle. Ah, je ne connais pas. Et mourir les tourneurs. Ouais, monsieur Capotin a déjà pris tout l'argent. Pas eu le temps, j'ai rien vu venir. Une clé. Ouais. On n'a pas les 99 clés de la run d'avant. on va la chercher.
Ah bah. Si tu dis ça. Sinon, par là. Plein de choses à faire péter. Le rayon laser. Oh, en plus, on a bien mis les... Ah, bah oui, saute dans le laser. Ah, du coup, j'ai eu de la violence un peu. Un uf. Je lui ai ramassé un bouclier aussi. J'ai eu le cœur, je crois. Ou il me l'a transformé en bouclier, là il est tombé. Ou alors il y avait un chak. C'est pas trop. L'autre salle d'objets est rocher marqué into... Ah bah raté. Super. Ouais, c'était pas dingue. Et j'ai plus de grenades. L'objet... La bombe de table. Lance 10 pièces après une explosion. Ah bah c'est con. On va en faire péter deux. Un petit jeu du online shop qui avait bien marqué les gens qui sont essayés. La période 2015 environ. Je vais linker la vidéo sur le Discord. Weapon Shop de Omas. Ça me dit rien. Je suis presque full violence. Je pourrais acheter un objet au magasin. Sacrifier mon sang pour la violence. Ah dommage, j'ai pas ouvert et j'ai laissé prendre mon argent. Mais Nick. Voilà. Là je l'ai eu. Le téléphone. Allô ? La ligne du diable double vos dégâts de mêlée quand vous êtes en l'air. Aller là-bas. La violence, c'est pour avoir une salle pour sacrifier un réceptacle et avoir un objet. Je prends l'argent. Des okabos. Ah, j'ai plein de clés maintenant. Vas-y. Bon, attention les items. Ah bah d'accord, une bombe. Super. Je claque une bombe pour avoir des clés et là je claque des clés pour avoir des bombes. Bon, on va prendre les boucliers et faire... Ah non, on va d'abord voir le magasin, prendre les boucliers. De toute façon, ça reviendra au même... Vu qu'il n'y a pas de corps rouge à récupérer, ouais vas-y, prends. Quoique, ça me fera des corps rouges en moins pour l'étage d'après, si jamais. Si on a sur l'étage d'après. Par contre, je sais pas si ça remplira la barre. Hein. Oh, presque! Dommage. Dommage, dommage. Le jus de Jésus. Mais pas pressé. Raisin confit, vous laissez tomber un cristal supplémentaire si un œuf vide éclos. Ok. Il manque même pas un pixel hein, là-bas. Pas plus simple, hein. Voilà, sans pique. Ok.
On est pas trop mal, mais bon, en dégâts, on n'est pas foufou. Allez, Argos, le premier gardien. Oh, je lui fais un peu des dégâts quand même. Ah, c'est des boulettes. Ah bah voilà, j'ai le... j'ai accès à la salle de violence. En vrai, les boulettes font mal. Hein. Enfin, s'il fallait là le bouclier. Tu vois, dans la petite fenêtre où il n'y a pas le bouclier, j'ai réussi à lui mettre la max tout à l'heure quand même. Ah, c'était les lasers encore? Ouf! Oula! Il est piqué là. Ouf! Ah, il est presque décédé là. Je l'ai eu! Quand c'est un peu moins craqué, c'est plus compliqué. Le super logo augmente votre arme, améliore votre arme, pardon, augmente légèrement votre hauteur de saut et votre vitesse de déplacement. De toute façon, je crois que je peux pas ressortir de la salle. Il y a rien à récupérer. Merci pour le GG. Le niveau 6. Ah oui d'accord, il n'y a pas de nouveau niveau, hein. Parce que niveau 7 c'est le gardien 2 et niveau 8 c'est le gardien 3, donc faut vraiment que j'aille dans une salle de... dans une salle de violence. Ah et du coup ça avait chargé ma violence et je pouvais pas y aller. Et du coup j'ai niqué mon... ma progression. Coup dur. Ah mais là si je le... si je le tape je vais prendre cher quoi. Vous avez une chance de tirer une grosse balle. Déjà, est-ce que ça m'en ajoute beaucoup de tirer dessus? Ça m'ajoute rien, faut vraiment que je perde des PV dessus. Mais des PV, j'en ai pas trop à perdre là. C'est le problème. On va attendre. Ah là je suis en fait. Bon, ça va être aller aussi loin. Ah bah là ça va être le décès bientôt. Ah non, bouge. J'étais coincé contre le laser. Et c'est perdu. C'est perdu, c'est perdu. Et on repasse en difficile 1. 8. Je sais même pas si je peux acheter quelque chose avec 8. Bah potentiellement non. Hein. Bah rien du tout. RIP. C'est le décès. Et nouveau perso. Wade, si j'ai pas de bêtises. Allons là-haut. Bon, c'est compliqué, on avait loupé plein d'objets. On avait la puissance de feu finalement, mais pas la défense. Du coup, je vais les traiter à la fin, surtout ceux qui sont safe. Bien joué.
Ouf. Les pires balles. Non. Foutez-moi la paix. Reviens petit ver. Ah, je crois que je l'ai eu. Prends un petit peu l'argent. Voilà, j'ai eu l'argent. Un objet. Mais rien à dépenser, là c'est gratuit, le premier. La conserve pour chat. Ajoute un réceptacle de cœur. J'ai des oreilles de petit chat. On va vouloir être chat. Mais pas comme dans Isaac, malheureusement. L'argent, non. La santé, non plus. Ah, quoique, maintenant, on sait qu'on a de la vie qu'on peut sacrifier. Si jamais. Si jamais on survit aux futures épreuves. Je pourrais tuer celui qui... Voilà. Celui qui peut mourir. Ah, je pensais pas qu'il sortirait. Petite clé. Oula. Petit freeze aussi. Des crystals. Petit bouclier. Vase. Petite salle du sacrifice qu'on fera peut-être à la fin. Ouais, j'ai des bombes, vas-y. Oh, super. Ça valait le coup. Magasin. On va voir à gauche. Du loot. Un demi-cœur. Beaucoup de vie. Oula. Est-ce que je suis pas allé un peu au pire endroit là? Ouf. C'est compliqué là. C'est compliqué de monter là, voilà. C'est pas un peu le pire spot pour l'attaquer lui. Ah non, ça va. C'était rapide. Une pièce qui a pop là-haut. Oh, oh, ah bah oui. Bon, ça va, il y a plein de vie. Vraiment. C'est vrai qu'il y a de la santé à récupérer, hein. Faut sauter là-haut, ouais. Ah, super. Je suis content d'être là. Ok. On va aller à la salle du sacrifice. Voir ce qu'il y a dedans. Je sors en vie aussi à un moment. Hein. Ouais, de toute façon, on va le faire. Hein. Oh bah, un objet. Un petit peu de violence. Seigneur mercenaire, plus vous avez de pièces, plus votre arme inflige de dégâts.
Ah, j'ai le petit petit bandeau. Il n'y a pas tant que ça les cœurs rouges. Petit bouclier, des armes. Un vieux cœur rouge qu'il y avait là-bas. Parce que les trucs à cristaux ils sont pas indiqués. Je crois qu'il était dans l'item room. Ou c'était avant. Je sais plus. Non, c'était avant, ok. Ah oui, c'était vers le TP à droite. Ouh, ça monte bien ça. Et bon, on va récupérer toute la vie qu'on peut. Avoir tant de vie que ça, hein. C'est pas une super force de frappe aussi. Ça va être compliqué. Tommy. Je veux que Tommy, c'est jamais fini. Ouh, ouh, ouh. Bah oui. Ça pue. Ah bah merde. Trop près. Ok. Bon. Du coup, c'est pas le coup que j'en relance une. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Du coup, bah, je remercie ceux qui étaient là, ceux qui ont vu la rediff. Des bisous YouTube et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être qu'on verra le quatrième gardien. Qui sait ?